Voici donc deux dernières collections que je vous présente, toujours de la marque ITD Collection. Donc celle-ci, Summertime in Blue, donc sur les oiseaux, et une autre tout à l'heure qui s'appelle Decorated with Frost, donc plutôt des oiseaux et sur l'hiver, qui vont aussi avec, dans le style en fait, des blocs A4 comme ceci, que je vous ai présenté tout à l'heure rapidement. Donc celui-ci, donc toujours 10 pages recto uniquement. Donc on a une feuille avec un mur, avec une peinture écaillée ici, une peinture usée. Donc des tons pareils à sortir avec le blanc cassé et le ficelle au niveau des cardstocks. Donc on a ce motif-ci. Des fonds en fait que vous pouvez couper dans tous les sens et placer facilement puisque voilà quoi, il n'y a pas de motif central sur ces morceaux-là, donc planche, mur, voilà tous ces fonds. Et ensuite par contre là vous avez les motifs, donc des super embellissements, des papillons, les oiseaux, regardez comme c'est joli. Donc à sortir avec les fonds à motif de planche. Vous avez ensuite des pages aussi évidemment avec des motifs qui sont assortis. Donc ce sont des couleurs assez gaies et vives, mais pas flashy. Voilà, on reste quand même dans quelque chose de shabby. Shabby et vintage. Regardez ces pages, c'est vraiment très très joli. C'est très très beau. C'est romantique à souhait, vraiment. Moi j'adore. Et une page avec des motifs floraux. Donc là vraiment, c'est une très belle collection. Voilà, vous pouvez assortir tout ça avec les fonds qui vont avec. C'est un album, j'allais dire, très complet parce que vous avez vraiment plein de pages de fond avec des motifs pas trop trop chargés, des faux unis, je vais dire, et puis des pages à motifs avec des motifs placés pas trop gros, et ensuite des petites étiquettes ou des embellissements à découper. Donc vraiment, c'est un bloc pratique à utiliser, j'allais dire, facile à utiliser, très très joli. J'aime beaucoup. Alors celui-ci, donc je ne l'ai pas vu encore, j'ai pas ouvert du paquet. Donc c'est plutôt pour l'hiver. Bon, on est à peine en février, on sort de l'hiver. C'est vrai que maintenant les collections d'hiver c'est terminé, mais j'ai réussi à rentrer ces collections-là. Donc on en profite encore un petit peu de l'hiver. Donc là voilà, c'est très classique, on va dire traditionnel. Les rouges-gorges, toujours des fonds aquarellés, c'est très très joli. Je vous montre en détail les motifs. Alors, une couronne placée avec le paysage à l'arrière et toujours les, je crois que ce sont des rouges-gorges. Celle-ci dans les tons ficelles d'ailleurs. Au niveau des cardstock, dans le ton ficelle. Voilà, c'est l'hiver, hein. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Donc vous avez 10 pages de 200 grammes. Je crois que ça fait 200 grammes. Oui, c'est ça. 200 grammes. Regardez ce beau coucher de soleil. Ici des feuilles que vous pouvez découper aussi éventuellement. Mais j'aime bien comme fond comme ça. Ça me plaît bien. Ici, un. Juste des contours en fait dessinés. Donc là éventuellement si vous voulez mettre un petit peu d'aquarelle ou superposer le découpage de ces feuilles-là et les placer par-dessus.
Je ne sais pas s'ils ont prévu en fait ces deux feuilles pour les travailler comme ça, mais bon, moi l'idée me vient comme ça. Ici, vous avez encore des baies. Alors, chez eux, les papiers, vous pouvez faire de la patouille dessus. Donc, vous pouvez les peindre, vous pouvez les aquareller. Il a une qualité qui est étudiée pour pouvoir les humidifier, en fait. Voilà. Ici, on a tout un tas d'oiseaux. Oh, c'est joli. Donc là, c'est pareil, vous pouvez détourer les oiseaux, ancrer légèrement les bords, si vous voulez. Oh, c'est mignon comme tout, tous ces oiseaux. Regardez ça. Voilà pour ces collections là. Eh bien, vous pouvez retrouver tout ça en boutique. Voilà, je ne sais pas si je recommanderais chez ce fournisseur. Pour l'instant, c'est l'arrivage est là. Voilà, comme on dit, affaire à suivre. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Plein de bonnes choses en scrap. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Scrap Merveilleux. Et je vous remercie de me suivre et de votre fidélité dans la boutique. À très bientôt.